Bonjour, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle capsule vidéo. Alors cette capsule vidéo, elle va être un petit peu particulière parce que j'avais envie de rebondir sur une publication que j'ai partagée et qui a suscité énormément de commentaires. J'ai reçu des centaines de messages à propos de cette publication et c'est quelque chose qui m'a profondément énervé ne serait peut-être pas le bon mot, mais en tout cas attristé. Je crois que c'est, oui, je pense que attristé est peut-être le terme qui convient le mieux. Et du coup, j'avais envie de rebondir là-dessus. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai été attristée. J'ai été attristée de voir la quantité de messages que j'ai reçus parce que du coup, ça me montre à quel point il y a encore un rôle énorme à jouer par rapport à la fertilité. Et ça confirme aussi ce souhait, cette envie, cette énergie que je mets dans le fait d'avancer dans cette notion d'empouvoirement, cette notion de te rendre, de te donner les cartes en main, en tout cas pour être plus que jamais actrice de ta fertilité. Ce post, quel est-il? Eh bien, j'ai partagé une publication qui a été faite à propos de la composition de compléments alimentaires spécialement pour la grossesse. La composition de ce complément alimentaire, ben, démontre clairement que malgré le fait que ce soit quelque chose qu'on prescrit aux femmes enceintes, la composition est particulièrement néfaste pour l'organisme. C'est hyper dangereux, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout correctes au niveau de l'organisme, c'est bourré de nanoparticules, il y a des substances qui sont cancérigènes, etc., etc. Or, ce sont des compléments alimentaires qu'on préconise, qui sont prescrits par le milieu médical pour la femme enceinte et qui sont évidemment très souvent aussi prescrites pour la période de préconception. D'accord? Bon. Du coup, en fait, qu'est-ce qui m'attriste? Eh bien, c'est que j'ai reçu mais des dizaines, des centaines de messages de femmes me disant zut, moi j'avais commencé à prendre d'autres compléments alimentaires que j'ai arrêté parce que mon médecin m'a prescrit justement ce type de complément, etc. Et elles étaient juste dégoûtées de voir qu'en fait, ces compléments alimentaires qui avaient pourtant été prescrits par le milieu médical, eh bien, regorgeaient de mauvaises choses pour l'organisme. C'est important. Et en fait, je voulais justement attirer ton attention là-dessus. Parce qu'on a souvent une tendance, et je l'ai eu aussi, et je vais t'expliquer à travers un exemple personnel, que j'ai eu aussi ce travers quelque part, qui est en fait, c'est le syndrome de la blouse blanche. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à partir du moment où on n'est pas du milieu médical et qu'on est face à quelqu'un qui a une blouse blanche, eh bien, on considère qu'ils ont autorité un peu sur nous et que par conséquent, eh bien, on fait tout ce qu'ils nous disent, on suit leurs indications à la lettre sans se poser la moindre question. Or, c'est pas parce que c'est prescrit, c'est pas parce qu'ils ont une blouse blanche qu'ils ont l'absolue vérité. Et d'ailleurs, je ne prétends pas l'avoir non plus, d'accord? Ça, c'est important. Personne n'a cette absolue vérité. Ce qui est important, c'est de se renseigner, de s'écouter et de faire ce qui est bon pour soi, d'accord? Alors, je te disais, tiens, je vais te partager un exemple personnel et je peux même d'ailleurs t'en partager deux. Un qui n'a absolument rien à voir avec la fertilité de prime abord et le deuxième où on est en plein dedans. Alors, écoute bien cette vidéo jusqu'au bout parce que je pense que tu en as besoin si tu me suis, si tu es avec moi. C'est que tu es certainement intéressé quand même par ce que je partage, par ce que j'ai à dire. Et je pousse pas souvent des coups de gueule parce que je t'avoue que je suis plutôt à travailler main dans la main avec le secteur médical, parce que je reste convaincue qu'ils font des choses extraordinaires, qu'il y a des médecins qui sont archi compétents, qui sont plus que professionnels, etc., et qui font vraiment tout ce qu'il faut. Mais des fois, je ne vais pas dire qu'il y en a qui ne sont pas compétents, parce que l'idée n'est même pas là, mais je pense aussi et surtout qu'il y a un grand manque de remise à niveau, qu'il y a un grand manque de formation, et que bah, on est diplômé depuis 10, 15, 20, 30 ans, voire plus, et qu'on a toujours fait comme ça, et qu'on ne voit pas pourquoi il faudrait faire autrement. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, on est beaucoup plus conscient de ce qui se passe, de certaines choses, que la recherche évolue, et qu'il est grand temps de parfois se remettre en question, et qu'il est parfois temps de remettre en question des prescriptions qu'on peut faire, parce qu'on les fait peut-être depuis 20 ans, alors qu'au final, ils sont pas forcément au courant de la composition de ces produits. Et ça, à titre perso, c'est vraiment quelque chose qui me choque, parce que j'ai parfois l'impression qu'ils jouent aux apprentis sorciers, en se disant, bah tiens, moi, je prescris ça parce que je l'ai toujours fait, sans finalement se remettre en question la composition de ces prescriptions alimentaires. D'accord? Donc, ce que je voulais te dire, je t'ai dit, tiens, il y a deux exemples.
Et en fait, je voulais te parler d'un premier exemple. Si tu as vu ma capsule vidéo précédente, tu as vu qu'en ce moment, j'ai quelques problèmes de dos. Rien de bien grave, mais qui sont en fait causés par mon genou. Alors tu vas te dire, quel est le lien? Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet de la capsule vidéo de ce jour. L'idée, c'est juste de te permettre de comprendre que j'ai des problèmes au genou depuis 17 ans maintenant. Et comme ce genou droit me fait terriblement souffrir, eh bien, je compense d'un point de vue physique, je compense ma posture avec le dos, d'accord? En me positionnant autrement, ce qui fait que ça a des répercussions, que ça bloque mon dos et que ça me fait terriblement mal. Donc au lieu d'avoir juste mal au genou, j'ai mal au genou et au dos. Bref. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, ce que je veux t'expliquer, c'est que, je disais, ce qui est prescrit finalement ou recommandé par des médecins, aussi spécialistes soient-ils, n'est pas toujours la bonne idée. C'est pas toujours la chose à faire, et je t'explique pourquoi à travers cet exemple. Et tu vas comprendre le lien avec la fertilité. Donc par rapport à ce genou, je te disais, ça fait 17 ans que j'ai ça. À l'époque, je suis allée consulter, donc du jour au lendemain, j'ai eu un genou qui a gonflé et à un point tel que je ne savais même plus enfiler un pantalon. Donc je me suis retrouvée avec un genou qui était digne d'Elephant Man, c'était un genou voilà, énorme, tout gonflé, etc. Et là, bah, je suis tombée dans ce qu'on appelle une espèce d'errance médicale, parce que je suis passée de médecin en spécialiste, en kiné, en plein de disciplines, en ostéo, etc. Et personne ne savait ce que j'avais. Ils avaient trouvé une petite partie du problème, mais qui n'expliquait pas les gonflements, etc. Bref. Tout ça pour te dire que, au final, j'ai décidé de me dire, je vais me faire accompagner par le meilleur. Et donc, j'ai donc cherché le meilleur chirurgien orthopédiste de l'époque. Je l'ai trouvé. Donc voilà, je me suis adressée en fait à un médecin orthopédiste qui était spécialisé dans les sportifs. Et donc, tous les plus grands sportifs du pays, s'ils avaient besoin d'une intervention chirurgicale, c'était chez lui qu'ils allaient. Et donc, je me suis fait accompagner par ce médecin en me disant en plus. Je savais qu'il opérait dans une clinique privée et j'avais une assurance qui me permettait de me dire, ok, même s'il y a des suppléments d'honoraires, mon assurance les prendra en charge. Et donc, j'étais un peu plus détendue par rapport à l'investissement financier que ça pouvait représenter. Et donc, je me suis dit, puisque c'est le meilleur, ben, lui va me trouver la solution. Et effectivement, il m'a trouvé une solution. Alors, c'était franchement pas la meilleure, mais ça, j'y reviens dans un instant. Donc, il y a eu trois options qui ont été proposées. La première, c'était de me remplacer purement et simplement une partie du genou. Sauf que cette opération-là, je t'ai dit à l'époque, j'étais en plus quand même très jeune, puisque c'était il y a 17 ans. Ce qu'on ne m'avait pas dit en plus à l'époque, et ça je l'ai su après, c'est que cette opération-là, en fait, elle dure 10 ans. Et qu'après 10 ans, eh bien, il faut remplacer la partie qui remplace une partie du genou, et que ça, on ne peut le faire deux fois. Donc en gros, je me serais retrouvée aujourd'hui, à 2-3 ans près, à ne plus pouvoir subir d'opération pour remplacer ce qu'on avait remplacé, et qui aurait considérablement empêché le fait que je me tienne debout, que je puisse marcher, etc. Donc je te laisse imaginer. Donc cette option-là, heureusement, j'ai eu un éclair de lucidité, je ne l'ai pas retenue. La deuxième option qu'on m'a proposée, c'était de me visser la rotule. J'ai trouvé ça un petit peu lourd pour l'époque, d'autant que j'étais très sportive à ce moment-là. Donc je me suis dit, ok, ça m'a l'air lourd, c'est peut-être pas le meilleur des cas, on va commencer par autre chose. Je me suis dit, s'il y a un plan plus léger, je commence par ça, et au pire, j'irai vers une option plus forte par la suite, si c'est vraiment nécessaire. La troisième option, qui me semblait en tout cas la moins forte des trois et qui était celle qu'il me recommandait, et toute l'équipe, etc. aussi, son équipe en tout cas, c'était ce qu'on appelle la section des ailerons rotuliens, interne, externe. Donc si tu veux, on m'a sectionné les ailerons qui maintiennent la rotule en place en m'expliquant que justement la rotule avait un mauvais mouvement et que c'était ça qui engendrait mes gonflements. J'ai fait confiance à mon médecin qui était l'un des plus grands, qui était renommé. Et qui voilà bénéficiait d'une notoriété incroyable. Et donc moi, petite jeune de l'époque, pas du tout du milieu médical, bah, j'ai forcément fait confiance. C'était le premier à m'expliquer certaines choses, etc., etc. Donc je me suis dit yes, enfin, je suis tombée sur le bon. Il va m'apporter une réponse et une solution surtout à mon problème, à ma douleur. J'ai fait cette opération. Les premiers mois ont été particulièrement pénibles et, oh surprise, 6 mois plus tard, rien n'avait changé. Un an plus tard, rien n'avait changé, si ce n'est que la situation a fini par empirer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, quelques années plus tard, j'ai atterri
chez un autre, parce que j'ai continué évidemment à consulter d'autres spécialistes, beaucoup plus à m'orienter vers justement tout ce qui était médecine douce, etc. Et donc je consulte un nouvel ostéopathe qui m'a l'air vraiment bien et qui n'est pas du tout pro-opération, etc. Mais qui au contraire essaye vraiment de chercher à comprendre. Et au miracle, il me donne enfin des éléments de réponse différents. Super. Et là, quand il comprend ben, mon dossier, qu'il comprend qu'on a sectionné les ailerons rotuliens, il me dit, mais c'est pas possible qu'on fasse un truc pareil. Qui c'est qui vous a fait ça? Et là, je lui ai donné le nom de ce médecin, et le hasard, parce que ni lui ni moi ne savons qui nous étions l'un pour l'autre, en fait, ce nouvel ostéopathe, ce nouvel orthopédiste, pardon, c'était le neveu du chirurgien qui m'a opéré. Il m'a présenté ses plus plates excuses au nom de son oncle, parce que clairement, il a constaté que c'était vraiment pas du tout une chose à faire, et il a été le premier à reconnaître qu'il y avait des modes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a effectivement des modes dans le milieu médical selon certaines disciplines. Et je te donne un autre exemple, c'est que dans les années 80, alors peut-être que c'est le cas pour un de tes parents ou quelqu'un que tu connais qui est un peu plus âgé, dans les années 80, quand on avait des problèmes aux genoux, eh bien purement et simplement, on enlevait le ménisque. Puis on s'est rendu compte que ça n'allait pas. Et puis bah moi, l'année dans laquelle je suis tombée, en tout cas cette période-là, c'est pas forcément un an, hein, c'est parfois une période de plusieurs années, eh bien c'était la période où on se disait, problème de rotule, on sectionne les ailerons rotuliens. Voilà, purement et simplement. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte à quel point c'est complètement absurde de faire une chose pareille, ça n'a ni queue ni tête. Sauf que bah, on a été pris un peu pour des cobayes, on a testé, voilà, ils ont fait leurs expériences quelque part sur nous, alors qu'on était, enfin moi en tout cas, j'étais plus que consentante, puisque je voulais une solution à mon problème, je pensais que c'était la solution à mon problème. J'étais jeune et je n'ai pas osé remettre la vie du corps médical en question. Aujourd'hui, il n'y a pas de marche arrière, évidemment. Ces ailerons rotuliens, ben, ils sont sectionnés, on ne peut pas le reconstruire. Et donc, c'est juste pour te dire que, tu vois, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si je veux maintenant prendre un autre exemple qui est lié cette fois à la fertilité, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, je dis j'avais parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus de traces, aussi surprenant que ça puisse paraître. Et donc, à l'époque, j'avais le syndrome des ovaires polykystiques, donc j'avais un problème de durée de cycle, mais je n'avais pas de problème d'ovulation. Quand j'ai fait ma première FIV, je me suis de nouveau adressée à un super hôpital, avec une super équipe, un super chef de service, en tout cas renommé, pas forcément sur le plan humain, plutôt glaçon, mais en tout cas au niveau renommée et au niveau compétence, c'était parfait. Par contre, comme dans leur procédure, eh bien, ils stimulaient automatiquement, eh bien, je me suis retrouvée en hyperstim, et ils ont quand même réussi à ponctionner 39 ovocytes. Je me questionne encore toujours de pourquoi, en fait. Et si ça avait été à refaire, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour la deuxième tentative, je leur ai dit qu'il était hors de question que je sois stimulée et qu'on fasse ça, bien sûr, sur un cycle naturel, et ça a été accepté par le corps médical. Mais je trouve dramatique de devoir passer par toutes ces étapes, parce que quand j'ai fait l'hyperstim, déjà à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Donc une hyperstimulation, si tu veux, c'est quand tu as justement trop, ils ont trop stimulé tes ovaires. Et donc ça donne lieu à beaucoup trop de follicules, trop d'ovocytes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que tu as de l'eau qui monte dans l'abdomen et ça peut vraiment être dangereux. Il y a plusieurs stades à l'hyperstimulation. J'ai été à un stade où j'ai été alitée pendant 3 semaines et où j'étais rationnée en eau. Je ne pouvais quasiment pas boire de la journée. Donc tout ça pour te dire que c'est pas à prendre à la légère. À l'époque, j'ignorais ça et donc je n'ai pas été informée avant de ce risque-là. Et quand j'ai posé la question, on m'a dit, oh mais ça arrive tellement rarement que finalement on n'en parle pas pour ne pas alerter les patientes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne dis pas que je n'aurais pas fait le traitement, mais j'aurais en tout cas pu décider en conscience, j'aurais pu décider en connaissance de cause. Quand tu prends un médicament, quand tu prends un complément alimentaire, eh bien c'est pareil. Personne, je te le disais tout à l'heure, personne n'a la science infuse. Il t'appartient de demander des conseils, il t'appartient de poser des questions, mais jamais d'accepter les yeux fermés. Alors, l'idée n'est pas non plus de remettre en permanence en question tout ce que ton médecin peut te dire. On n'est pas non plus là-dedans, on n'est pas dans une rébellion juste pour le plaisir de la rébellion. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est juste de te dire, ok, vous me prescrivez tel complément alimentaire, est-ce que je peux vous demander pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Quelle est la différence avec un autre? Pourquoi est-ce que vous me prescrivez celui-là? Est-ce que vous connaissez sa composition? Parce que souvent, tu verras que la question, elle va rester avec un blanc. Pourquoi? Parce que ça fait 20 ans qu'ils te prescrivent à tour de bras le même complément alimentaire.
et qui n'ont pas changé. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'en parle pas ou pas suffisamment, parce qu'il y a quand même encore un côté tabou, mais tu sais qu'avec moi, le côté tabou, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, voilà, tant pis si je jette un pavé dans la mare, mais c'est comme ça. On sait très bien que les laboratoires pharmaceutiques, en tout cas certains qui ont pignon sur rue, sont bien implantés, et on sait très bien qu'ils se présentent dans les universités, qu'ils font des présentations. Ça vaut pour médecine, comme ça vaut pour, d'ailleurs, vétérinaire, etc., etc. Ils viennent présenter un nouveau produit. Et chez certains, en tout cas, ben, ils se sont dit « Ah tiens, la présentation était bien, c'était vachement intéressant, super, je note le nom du médicament. » Quelques mois plus tard, ils ont leur diplôme. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand ils commencent finalement leur consultation, leur prescription, etc. Ben, « Ah oui, tiens, la présentation de tel labo, elle était vraiment géniale, je prescris ce médicament. » Voilà. Ça part pas d'une mauvaise intention, évidemment pas du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que 10, 15, 20 ans plus tard, parfois on se rend compte que « Ah ben tiens, tel médicament, on l'a quand même retiré de la vente. » Parce qu'on s'est rendu compte qu'il était nocif pour la santé. Et ça, des médicaments comme ça, j'en ai pris. Hein, à l'époque où j'avais ce problème de genou qui était en cours, on m'a prescrit des anti-inflammatoires, on m'a prescrit plein de trucs. Et au final, il y en a au moins 3 ou 4 qu'on a retirés de la vente parce qu'on s'est rendu compte que ça provoquait des arrêts cardiaques. Bref, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de passer entre les mailles du filet, mais tout ça aussi pour te dire qu'on a ce syndrome de blouse blanche, dans le sens où, à partir du moment où on nous prescrit quelque chose, comme ça vient du milieu médical, eh bien on ne cherche pas à comprendre, on ne pose pas de questions, on prend un peu tout pour argent comptant parce qu'on pense que c'est la meilleure solution. Alors, je comprends. Et en même temps, je trouve ça hyper dangereux. Et c'est ça que je veux vraiment te transmettre, c'est que c'est pas parce qu'ils sont médecins que ça les dispense d'explications, d'accord ? Donc, et c'est ton rôle aussi à toi, c'est d'être actrice de ta fertilité et d'aller questionner justement ce médecin sur le pourquoi de cette prescription, etc. Tu vois, et c'est pareil pour moi, tu sais que je recommande le complément alimentaire Nutrine. On pourrait d'ailleurs faire un échange là-dessus et que j'explique peut-être de façon plus détaillée pourquoi j'explique l'importance de ce complément alimentaire Nutrine que j'ai d'ailleurs ici. Pourquoi je recommande Concept 1 vraiment dans les grandes lignes? Eh bien, je peux déjà te dire, mais je ferai quelque chose de plus détaillé, mais je peux déjà te dire que si je le recommande, c'est parce que c'est un produit dans lequel je crois, parce que j'ai passé en revue évidemment la composition de ce produit, que je me suis renseignée, qu'on a beaucoup discuté et surtout que j'ai comparé avec la composition de tout un tas d'autres compléments alimentaires et qu'à l'heure actuelle, il y en a très peu qui arrivent à la hauteur de Nutrine. Parce que soit les autres sont incomplets, il va manquer une partie et donc ça veut dire que tu dois suppléer encore par toi-même avec une partie des compléments. Je pense notamment au CQ10, au coenzyme Q10, souvent les compléments alimentaires n'en disposent pas tous, ou alors parce que la version n'est pas méthylée, ou alors parce que leur emballage va être composé d'aluminium, de plastique, etc. Nutrine, on a un alignement, c'est une boîte qui ne va pas provoquer par la suite, au moment de sa mise en déchet, des perturbateurs endocriniens au niveau de l'environnement. Donc c'est vraiment important quand on choisit quelque chose, de choisir en conscience et de savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on prend tel médicament, etc., etc. Ou complément alimentaire et tout, d'accord? Donc attention au syndrome de la blouse blanche, même si, encore une fois, la majorité prescrit les choses en pensant bien faire, j'insiste là-dessus, mais avec le médecin, t'es une équipe en fait, il n'y a pas de lien d'autorité, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a rien de tout ça, on n'est pas là-dedans, et donc ton rôle à toi, il est de comprendre, il est de poser des questions, et peut-être même, pourquoi pas, de remettre en question parfois certaines choses, parce qu'ils n'y ont pas pensé, ils sont humains aussi, tout comme toi, tu vois, et ça aussi c'est important, d'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, elle était un petit peu plus longue, mais j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, parce que ce post a suscité énormément de messages, de commentaires, etc. J'ai encore énormément de choses à dire, donc je te reprépare une prochaine capsule vidéo par rapport à encore à plein de choses au niveau de l'actualité. Donc je compte sur toi bien sûr pour les suivre, pour regarder ces vidéos, parce qu'encore une fois, si je les fais, ben, c'est pour toi, c'est pour t'aider à optimiser tes essais bébés. Donc je compte sur toi, si ce n'est pas déjà fait bien sûr, et bien pour t'abonner à ma newsletter et bénéficier de mes conseils qui vont t'aider à avancer dans la conception, en tout cas sur le chemin de la maternité, hein, c'est vraiment ça mon rôle, c'est de t'accompagner sur ce chemin de la maternité. Donc inscris-toi à ma newsletter si ce n'est pas déjà fait, et puis aussi bien sûr, partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un que tu connais. C'était Mia de Positive Mind Attitude, je te dis à très vite pour une prochaine capsule vidéo, et d'ici là, prends soin de toi.